Waouh! Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur ce blog. Dites-moi frères et sœurs, connaissez-vous l'histoire des serrures sacrées? Ah! Des serrures retrouvées au Burkina qui sont tout simplement sacrées. Ah! C'est un truc hors du commun. On nous dit que ces serrures, quand vous les tuez, que vous les mangez, bon, en fait, quand vous les tuez, déjà vous avez des problèmes. Ben pour vous faire cuire ces cellules-là aussi, apparemment, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez là et que vous arrivez à capturer une cellule et que vous voulez la manger, comme c'est une cellule sacrée, vous ne pouvez pas la manger, même la cuire, parce que c'est comme des choses qui sont des humains qui ont été transformés en boissons. C'est un truc de ouf. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? Qu'est-ce que c'est encore? Mes frères et sœurs, si ce n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Suivez-nous. Croyez-vous aux histoires mystérieuses? Et allez, c'est maintenant. C'est parti. Ah! Et tu te ouf, et tu te ouf. Nous allons tout découvrir ici. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez même ça. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et cette personne est quand? Va nous expliquer cette histoire de cellules sacré. Et ces cellules-là sont ici. Un truc hors du commun. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Waouh! Écoutons ça. On mange pas? Non, on mange pas. On lui pose la question, mais est-ce qu'on mange ces cellules? Il dit non, on ne mange pas. On mange pas. On ne peut même pas manger. Même si tu dis ça, si tu parles avec ça, tu ne peux pas manger. Même si tu tues ces cellules et que tu pars avec ça à la maison, tu ne peux pas les manger. Pourquoi? Ah, parce que c'est les ancêtres des gens de Bourou ici. Parce que ce sont les ancêtres des gens qui habitent là-bas. Bon. Je ne peux pas les manger. Si tu ne peux pas, ça ne va pas cuire. Et si tu ne pourrais pas, en plus, ça ne va pas cuire. Si tu ne pourrais pas ce poisson, faut dormir tranquille. Ça ne va jamais cuire. C'est de l'éléphant ou quoi? Comment c'est possible? Est-ce que ce sont des superstitions? Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui existent bel et bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas de telles choses, mais ce sont des choses qui sont quand même réelles. Écoutons encore ça. Ces sacrées cellules sont considérées comme des hommes par les bobolais et sont même enterrées au même titre que les humains quand une d'entre elles meurt. Hein? Quand l'une d'entre elles meurt, on les enterre comme on était le président. C'est un truc hors du commun quand même. Mais pourquoi? Allons tout plus loin plus. Non, ça ne meurt pas, mais souvent, même si ça meurt là, de façon qu'on enterre les gens, on enterre ça aussi comme ça. Non, hier, on ne tente pas. Hein. Si c'est risqué, quand tu dis ça, si ce n'est pas des sacrifices qu'on va faire là, non. Ce n'est pas bon pour toi. Mais... Il dit que si toi, tu te leves comme ça et puis tu dis, oh! Ce sont les histoires, c'est que vous racontez hier souvent. Là. Ce sont les histoires, tu vas aller les tuer pour manger. C'est pas bon pour toi-même. Il dit que c'est comme si tu allais prendre tout le malheur de la planète pour se positionner sur toi. Toi, tu dois te mettre dans du lait. Puis toi, tu dois te baptiser dans du lait. Avant que tu sois délivré de tous ces problèmes que tu allais ramasser à cause de ce genre de choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, il faut croire souvent sans avoir vu. Même chez Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi sans avoir vu? Ne sois pas les Thomas souvent. Bon, écoutons ça encore, pour moi ça va plus. Elles sont exposées aux regards, mais sans danger et sans risque. Non, on ne vole pas. C'est pas volé. Pas assez d'eau ni de nourriture, mais comment ces poissons arrivent à se nourrir? Ah, bon. Souvent, c'est les gens qui viennent, ils aident des sacrifices dedans. Avec ça, et aussi se nourrir avec ça. Bon. Je n'ai jamais vu qu'on a donné quelque chose à manger avec eux. Non, même à la saison, il y a de l'eau ici. L'eau là, ça ne s'arrête pas. Ouais. Un mystère pour les étrangers, mais un non-événement pour les résidents. Un mystère pour les étrangers. Ça, c'est tout haut du commun. Oh, l'eau que là-bas, là, ça ne t'arrive jamais. Même en saison sèche, il y a de l'eau. Sérieux? Le croyez-vous? Ah!
Comment c'est fait? Chez nous, on dit qu'on ne mange pas les corbeaux, non? Il y a certains animaux qu'on ne mange pas. Dieu a dit non. Dieu a dit de ne pas manger certains animaux. Comme quoi? Le corbeau. On dit les animaux impurs, là. La parole de Dieu dit de ne pas manger. Mais eux, ils sont les mêmes très loin pour dire que c'est sacré. Et que ce sont leurs ancêtres, c'est-à-dire leurs parents qui sont morts, là, qui se sont réincarnés, sans doute, en silure, en poisson. Ils sont même, eux, ils sont même là. Ah, en tout cas, moi, c'est pas mon grand-père qui est là. Ah, c'est un truc de ouf, un truc de ouf. Maintenant, regardez ça. Beaucoup de poissons comme ça, Dieu, il ne faut pas avoir mangé. Mais si on ne mange pas, ça va faire comme moi. Il y a ce qu'il faut, c'est là, c'est quand même beaucoup de poissons, hein. Ils vont venir à l'immédiat, vous allez voir, regardez. Voilà, là vous voyez mieux. Waouh. Là vous voyez, regardez. Beaucoup de poissons comme ça là. Il ne faut pas la manger ici, on ne va pas faire comment. Poissons sacrés de Bokoré. Et on appelle ces poissons les poissons sacrés. Et les gens viennent jeter des sacrifices ici. Attenda. Regardez. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et ils sont nombreux comme ça. Ces poissons sont nombreux. Regardez. Tout ça, il faut avoir mangé. Oh mon Dieu. Ah, il faut croire ça, on l'a vu. Hein. Un truc pareil, tu as mangé, ça va être dans ton ventre. Comment ça va se transformer après? Ou même laisser ce qui ne t'appartient pas. Ce qui n'est pas pour toi, mon ami, il ne faut pas chercher. Regardez, ça a l'air beau et attirant. Hein? Ah. Ne les mets pas touché à ça même. Ok, bon, c'était une vidéo mystérieuse. C'est un mystère. C'est vraiment un vrai mystère. Et nous aimerons partager avec vous ça. Juste pour voir comment vous allez réagir aussi. Si vous n'avez pas dit, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que vous pensez Parce que nous devons vraiment obéir à tout ce qui a été dit par rapport à ces poissons. Ou bien, on doit être vraiment, oh, du genre, moi, c'est du gars. Je vais lancer ma canne à pêche là-bas. Je vais le capturer et puis le manger. Est-ce que vous voulez désobéir à ce qui a été dit? Parfois, la bouche des gens, là, ça attire les problèmes. Hein. Si vous voyez un truc pareil. Ne soyez pas, je ne vous jure pas au Duga ou au Dugo. J'en parlais de défier la nature. Si vous n'avez pas de force, de puissance qui vous accompagne, il est préférable de laisser ça là comme ça. Ah! Comme tu vois les trucs, on dit c'est sacré. Tu vas aller juste pour manger, pour essayer de tuer le poisson et puis histoire de tester pour voir si ce qu'on t'a dit c'est vrai. Mon frère, il faut croire sans avoir vu. Ça va même te sauver la vie un jour. Si tu arrives dans un village. Et puis les gens dansent sur un pied comme ça. Même si tu ne sais pas danser. Fais comme eux. Danse. Et puis cherche-toi, vous quittez le village. Personne ne va savoir ce que tu as été faire ici. C'est même mieux. Ok. C'est pas mal. Abonnez-vous peut-être à cette vidéo parce que nous venons de nous réveiller sur. Et on se voit. Et nous sommes même chauds pour la prochaine vidéo. Let's go.